Mistral. Si je vous dis Mistral gagnant, ça vous fait penser à quoi? Bien sûr, à des bonbons. Le Mistral gagnant était un bonbon en poudre, se présentait sous la forme d'un sachet en papier contenant une poudre sucrée, parfumée et pétillante sur la langue. On insérait une paille dans le sachet, une paille en réglisse, destinée à aspirer la poudre. À d'autres, ça évoque aussi des chewing-gums, avec des gagnants et des perdants. Renaud a écrit cette chanson pour sa fille Lolita en 1985. Il y évoque avec complicité les souvenirs de la douceur des bonbons et la nostalgie de l'enfance. Keep it.